Alors, bonjour, chers citoyens. Comme vous le savez, la période hivernale s'en vient. Puis, à chaque année, depuis quelques années, on tente de vous faciliter la vie concernant le stationnement hivernal. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que le règlement qui est en vigueur interdit le stationnement du 15 novembre au 1er avril. Mais on le sait, les hivers se suivent et ne se ressemblent pas, donc on ne sait jamais quand il va y avoir de la neige. Ce qu'on vous propose cette année, entre le 15 novembre et le 5 janvier, donc c'est une possibilité de 51 jours, vous allez possiblement pouvoir stationner dans la rue. Donc, il y aura ce qu'on appelle une levée d'interdiction. Mais c'est votre responsabilité de vérifier effectivement si c'est possible de stationner cette journée-là. Il y a trois façons de le faire. Tout d'abord, vous pouvez visiter le site Internet de la municipalité. Dès 16 heures à tous les jours, on vous informera pour la soirée si c'est possible ou non de vous stationner dans la rue. Également, vous pouvez consulter la section spéciale sur le site Internet ville.magog.qc.ca stationnement hivernal. Et une nouveauté cette année qui va vous simplifier la vie encore plus, avec l'application B-City qu'on vous invite à télécharger, vous pouvez vous abonner à l'alerte stationnement hivernal. Donc, vous recevrez une alerte qui vous dira si oui ou non vous pouvez stationner dans la rue. Je vous rappelle que pour que les stationnements hivernales soient permis, il faut que, un, il y ait les conditions météorologiques favorables, mais également qu'il n'y ait pas d'opération de déneigement de prévu. Souvent, on a des citoyens qui nous disent « oui, mais il neigeait pas, on pensait qu'on pouvait ». Non, ça se peut qu'il y ait des opérations de déneigement ou de déglaçage de prévu. Donc, ces deux conditions-là sont nécessaires pour qu'on puisse lever l'interdiction de stationnement. Donc, j'espère que ces assouplissements vous rendront la vie plus facile pendant cette période hivernale. Merci.